plus passé une dizaine d'organisations qui a pas défendu droit monde comme RNDDH, POHDH, KFJKL qui ont même critiqué gouvernement Ariel Henry qui a pas cherché fouler en bas pied résultat certification magistrat yo. Dans une note qui est publique hier, il y a une dizaine d'organisations qui nous disent qu'elles défendent le droit de l'homme, dénoncer volonté pouvoir en place là pour remettre en question le travail CSPJ. C'est la première fois depuis l'année 2012 que le gouvernement a décidé d'agir comme ça d'après FJKL, POHDH et RNDDH qui fait qu'on est démarche au gouvernement visait saboter l'indépendance CSPJ et puis travail et puis traduit plutôt volonté du gouvernement ça pour quimber et puis protéger magistrat qui a bien la corruption yo. Maître Alermi Pierre Villus, quoi, processus certification a été bien réalisé. Organisation qui a défendu droit moun yo mandé gouvernement pour camper sous démarche y a mené qui visait voyer jeter travail conseil supérieur pour pouvoir judiciaire là CSPJ. En côté, Maître Alermi Pierre Villus, secrétaire exécutif POHDH, lit dans micro Peterson Luxama. Effectivement, c'est une note environ 10 organisations, mettez dehors, côté nous dénoncer manœuvre gouvernement de facto, après, contre décision CSPJ concernant certification magistrale. Faut que nous rappeler que notre date 16 janvier 2023, CSPJ est transmettre à gouvernement de facto, particulièrement le ministre de Justice, résultat processus certification qui était mené sous 59 magistrats. Et parmi eux, il y a 28 qui peuvent arriver certifiés. Et magistrats, ça y est, ils n'ont pas certifié pour absence d'intégrité morale, entre autres. Il faut que nous disions, son processus de certification qui était mené en bonne et due forme, et gagné commission technique certification, hein, qui composait des délégués au niveau des CSPJA et des délégués ministères justice et sécurité publique. Contre toute attente, nous constatons gouvernement de facto a entreprendre en démarche pour mener des consultations dans l'idée pour nous remettre en question résultat processus certification CSPJ et transmettre des poursuites légales. Au lieu que gouvernement lui applique décision certification, c'est-à-dire mettez à l'état des systèmes dans des mondes qui ne sont pas certifiés pour diverses raisons. Les gens nous disent pour question absence d'intégrité morale, eh bien nous, le gouvernement, les décider, attaquer même ou bien remettre en question l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et non, les déclare évident pour supporter des magistrats corrompus dans ce système-là. Nous notons que rencontre pouvoir été fait 20 avril 2023 avec Réseau National Magistrat Haïtien, Association Professionnelle Magistrat, la résidence officielle Premier ministre, pour essayer justifier volonté que pouvoir gagner pour enterrer résultat processus certification. En tant qu'organisation SAIO, nous rejetons et dénoncer démarche SAIO que pouvoir engager. Nous connaissons des démarches non seulement qui portaient atteinte à l'indépendance du travail CSPJA, mais surtout qui reflétaient volonté pouvoir pour protéger des magistrats non certifiés qui proches pouvoir. Donc c'est important pour nous rappeler que questions certification sont questions qui sont indiscutables pour permettre de nous nettoyer et épurer appareil judiciaire. Nous-mêmes, nous avons été croyés que le système judiciaire-là, il doit bien la donner des hommes et des femmes honnêtes, crédibles et compétents qui sont capables d'aider à établir une société qui chita sous respect droit monde sans aucune distinction. Dans ce sens-là, ensemble organisation qui tient notre ça, nous invitons le gouvernement pour le camper sous des machins. Nous connaissons des manœuvres. Des machins, nous considérons comme des manœuvres. Et nous inviter le camper pour Madame Sao et pour lui conformer à décision CSPJA qui sont décisions souveraines. Et en même temps, nous croyons que le processus de certification libre poursuivre avant renouvellement mandat magistral. Voilà, on t'a pas écouté déclaration, Maître Alermi et Pierre Villus, qui c'est principal responsable de POHDH, une organisation qui a défendu droit monde, qui a même demandé à le gouvernement pour camper sous démarche qui visait vous jeter travail CSPJ.